Coucou à tous, donc là on est vendredi, je continue le vlog. Là, comme hier, j'ai pas beaucoup filmé. Alors, voici les résultats de ma nuit. Finalement, je me suis levée vers minuit comme ça pour aller dormir au canapé pour pas réveiller les autres en toussant et en mouchant. Là, je vais chez le docteur clairement parce que je suis au bout. Et pour ceux qui vont dire que je fais que de me plaindre, ben regardez pas, franchement, regardez pas parce que. Voilà, je vous montre la vraie vie. Alors on me réclame des vlogs et ben je vlog. Voilà, même quand je suis malade, je vous montre la vraie vie. Je vais pas me cacher à dire ben ça va, ça va, ça va. Alors que là, ben ça fait 3 jours que j'ai la crève, que j'essaye de quand même vivre normalement malgré une crève comme ça. J'essaye de me surpasser là aujourd'hui, vendredi. Ça va plus, ça passe plus. J'ai hyper mal à l'oreille, ça fait clac clac tout le temps. J'ai hyper mal à la gorge, j'arrête pas de tousser, j'ai le nez pris, donc là, clairement, j'arrive plus à m'en sortir toute seule, donc je vais aller voir le docteur là. Il est 8h14, j'ai déjà fait mon inhalation ce matin, et là, ben, je vais me préparer, je vais aller chez le docteur parce que j'y arrive plus. Hein. Alors, verdict, une otite, une sinusite. Une angine, une laryngite et une bronchite. Voilà. Donc j'ai le sachet de tout ça à prendre. C'est génial. Mais bon. Alors là, Clara et moi, par ce beau soleil, on a fait un peu de ménage. Donc on a fait. Clara a fait le balai. Moi j'ai fait la lessive, la vaisselle. Elle a nettoyé quelques miroirs de la maison et la vitre du salon. On commence petit à petit le nettoyage de printemps, mais jeudi, hein, jeudi, on fait tout à fond avec déplacer les meubles et tout. Jeudi, on va tout faire en fait. Et là, ça va un tout petit peu mieux avec les médicaments. Je suis encore vachement prise, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le linge a été fait, tout a été fait, balai, sol. On a fait vraiment en gros un ménage vite fait, le linge aussi. Et voilà. Donc maintenant encore le salon, je vais aller regarder parce que j'ai fait mes tocs. Donc ma chambre c'est fait, la chambre des petits, la salle de bain, les toilettes, la cuisine et le linge, c'est bon. Balcon aussi, nickel. De toute façon, la semaine prochaine, on va enlever toutes les bottes d'hiver. On va les ranger dans le garage, hein, parce qu'il n'y a plus besoin de bottes d'hiver. À partir de jeudi prochain, c'est terminé. Les bottes d'hiver, il y a le soleil qui revient, donc plus besoin de bottes. Donc là, j'ai déjà préparé ça à descendre à la cave. Les poubelles, on va les descendre à la cave. Et voilà quoi. C'est trop bien. Donc là, il fait un super beau soleil. On a 11 degrés. Et ben là, j'ai décidé de sortir un petit peu, qu'on aille prendre l'air, qu'on aille se promener. Et ben voilà, on va aller voir le château. Je sais pas si on le voit de là avec l'appareil, mais on va aller visiter le château. Il n'est pas très loin et puis ça peut faire une belle petite sortie pour recommencer vers le printemps à de nouveau un peu marcher tout doucement. Voilà, c'est parti. Donc là, on commence à marcher pour le château. Merci. Bon, bah, on va faire doucement à notre rythme, hein, parce que là, ça commence déjà à monter, mais ça va faire du bien. Le sport, ça élimine les microbes et les toxines. Je vais tout faire pour transpirer et éliminer tout ça. Je galère. Quoi? Ah bon? Mais elles sont. C'est plus bon maintenant. Ça fait longtemps qu'elles sont pourries. On respire, on garde le rythme. Allez, super. Allez. C'est un beau soleil, on a une belle vie, de beaux endroits, on n'a pas à se plaindre, c'est magnifique. Non, on ne peut pas, on est bientôt arrivé là. Allez,
Si tu veux. Mais tu m'attends parce que c'est dangereux, tu vas pas au château tout seul. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Allez, nous on va continuer le chemin. Allez. On est arrivé. Allez, on va faire le tour. On est des guerriers, des aventuriers là. Oui. Non, par là, chérie. Clara, je connais pas une grosse. Viens, on va faire le tour du château. Par là, par là. Mais doucement. On sait jamais ce qu'il y a, s'il y a trop de bords. Vous savez très bien que j'ai le vertige. Non, 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 tu te penches pas. De quoi, moi? Les deux. On va avoir une belle vue. Attention, il y a des puits et tout. Oh, c'est beau. Mais comme il est beau cet endroit. Il est trop beau cet endroit. Oh, franchement, c'est trop beau. On reviendra là faire un pique-nique. Waouh. Ah, c'est beau, c'est apaisant. Voilà, donc on redescend de ce bel endroit. On va y revenir hein, pour faire un pique-nique là-bas, c'est trop beau. Ça fait du bien. Maintenant, faut que je rentre, faut que je prenne un médicament là, mais d'abord j'ai faim. Voilà, donc là on est rentré de notre promenade. Les petits sont rentrés dans leur chambre vite fait chercher un truc pour ressortir dehors, mais ils n'ont pas enlevé les chaussures. Donc vu qu'on était dans la terre et tout ça, ben, je recommence les sols. Heureusement que j'ai pas vidé mon seau de ménage. Donc là je refais, parce qu'il y a de la terre partout, donc je refais toute ma maison en fait. Voilà, parce qu'ils étaient dans toutes les pièces, dans leur chambre, dans la cuisine, dans le couloir, dans le salon, donc ben, je refais les sols quoi. Allez, deuxième tour de ménage, cool! Alors là, Clara et moi, on avait envie de regarder les anciennes photos. Donc c'était Clara bébé, habillée en citrouille. On voulait vous faire partager des petits moments comme ça, de souvenirs en fait, quand les disques durs externes n'existaient pas encore. J'avais tout gravé sur CD. Et du coup là, je cherchais une vidéo de Dylan et on est tombé sur les vidéos de Clara encore chez ma grand-mère. Donc voilà, Clara en citrouille. Ma petite Clarinette. En citrouille, t'avais un an et demi là. J'ai retrouvé une vidéo où Dylan a 2 ans. À 2 ans, j'étais en train de l'emmener à la crèche. Il connaissait les marques des voitures. Écoutez, je vous la laisse. C'est quoi? Chrono. Très bien. Ça c'est quoi? Baran. Ouais. Ça c'est quoi? Chrono. Peu. Poyo. Ouais. Ça c'est quoi? Gof. Ouais, ça c'est quoi? Baran. Non. Re. Voilà. Et ça c'est quoi? Toyota. Toyota. Super, bravo. A plus. Ça c'est quoi? Ford, Ford, Ford. 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 Super. Maman, papa. Et ça c'est quoi? Papa. Super, bravo. Et ça, tu sais ce que c'est, ça? Fiat. Comment? Fiat. Fiat, bravo! J'ai retrouvé une photo de moi dans les dossiers où j'avais déjà le carré plongeant avec une frange et j'étais brune et noire. Voilà, magnifique, hein? Donc là, j'avais 22 ans. Là, c'était les 2 ans à Clara. Regardez là ma Fifi comme elle était jolie là-dessus, oh là là. Donc voilà, je vous mettrai encore 2 petites vidéos vers la fin de comment c'était quand ils étaient petits. Clara, il n'y avait pas encore trop de vidéos de téléphone portable, d'appareils quand elle était un peu plus petite. Donc j'ai un peu moins de vidéos d'elle, mais j'en ai quand même, j'essaierai de vous retrouver ça,
de vous retrouver ça pour la prochaine fois. Sinon là, bah, j'ai de plus en plus le nez rouge parce qu'à force de me moucher et tout, ça fait super mal. Et je vais aller me soigner là. Et moi, je vous dis bisous pour et à bientôt pour un nouveau vlog. Ciao. Comment elle fait la sorcière? Elle est où? Là. C'est qui elle? C'est la sorcière. La grand-mère, ça. La sorcière grand-mère, ça. C'est la sorcière grand-mère, ça. Ça. Mais oui. Elle est gentille, ça, la sorcière. Elle est gentille. Bonne nuit, doudou. La sorcière. Hein? Là. T'as dit bonne nuit à la sorcière? Alors Dylan, tu fais quoi à maman à manger là? Mais tu fais quoi à manger? On mange quoi? Quoi? Des raviolis? Ouh là là, c'est trop bien. Tu fais des raviolis à maman? Avec quoi? Et des carottes? Des carottes. Mais ce que j'ai filmé. On beurre le moule. C'est bien. On beurre le moule. On beurre le moule. Fini? Ok.